Ouais, voilà, je fais ça, A, V, D, tout ça, tout ça. On est dans... On est à... Donc c'est... Ça se dit Céline ou Kaylid? Kaylid. Kaylid. Ça fait un petit peu... Enfin, un petit peu breton. Pourquoi pour péter la gueule à un dragon? J'ai oublié où il était. J'ai complètement oublié où il était. Mais c'était près d'un truc draconique. Alors, le but va être de buter un dragon. Et de choper l'XP qu'il nous donnera. Bleu bleu YouTube! Ouais, tu dis YouTube. Oh, YouTube! Compris. J'y étais en fait. Ah non, pas du tout, punaise, mais tous ressemblent ici. Tous ressemblent. Ouais, YouTube se dit bonjour sur le chat. Ils sont 1000 à vous dire bonjour. Je n'en puis plus, je ne sais plus quoi lire. Alors, pour région très accueillante au demeurant. Et en fait, il y a plein de dragons dans le coin. Ils sont chauds, hein. J'ai essayé un peu d'en affronter. Ils ont quand même pas mal de vie. Mais c'est surtout... Il est là-bas. Surtout un gros dragon qui nous intéresse. Qui est... Oui, je crois que c'est celui qui est là-bas. Qui en fait ne peut pas bouger. Et on m'a dit... Pourquoi tu le tues, Po? Moi, je dis, je sais pas. Parce que en fait, il donne énormément d'XP. Enfin, il donne beaucoup d'XP. Et il y a moyen de doubler cet XP avec un truc. On est en dragon là. On est dans les terres dragoniques, c'est normal, les dragons. Avec... avec ça. Alors, on m'a dit qu'il y avait une dorée qui existait. Mais franchement, j'ai cherché déjà si je pouvais l'acheter. Bah, j'ai trouvé nulle part où l'acheter. Et je vais pas la chercher... je vais pas la chercher pendant, pendant des jours et des jours. Sachant que bah, le but ce serait de toute façon tuer le dragon avant de pex davantage. Voilà, donc après on peut le trouver, je peux me spoiler et tout, mais déjà que je me voilà, déjà que je sais qu'il y a ce dragon qui est... bouge pas à une région où je comptais pas aller avant longtemps. On va dire que ce sera déjà un avantage suffisant, on va pas rajouter. Est-ce que c'est bien là-bas qu'il est, puisque j'ai pas fait gaffe. Donc, ils sont tuables, hein, les petits dragons qu'on voit autour, mais franchement, ils ont quand même pas mal de vie. Ouais, regardez. Il est tout mourant. Cubi. Non, c'est bon. Voilà, c'est lui. C'est ce dragon-là, et le truc, c'est qu'il est entouré de plein d'autres petits dragons. Mais j'ai trouvé un spot. Ah, je peux pas passer par là, je suis obligée de faire le tour par l'autre côté. Oh, quel emmerdement. Ah, je vais faire le tour de par l'autre côté. Si j'y arrive. Ah, j'ai quand même 9000 trucs. Insupple les dragons. Ça me bloque. J'ai vraiment de faire le tour. Je peux pas du tout passer par-dessus une écaille. Voilà. Et par ici. Par ici, c'est ok. Enfin, je vais voir. J'attends un petit peu. Je crois que c'est ok. Et du coup, on peut commencer à le taper. Voilà. Donc sa vie est là. Ça va être très long. Alors on m'a dit faut que j'ajoute du saignement à mon épée. Mon épée, je peux pas rajouter de saignement dessus. J'ai regardé, je peux pas. Je suis un petit peu triste. Après je peux peut-être rajouter des trucs sur ma lame. Il y a peut-être moyen. C'est consommable sur ma lame. Il y a des trucs comme ça, non? Enduit la lame lui confère des dégâts de feu. Dégâts magiques, dégâts de foudre.
Effet de putréfaction écarlate. Je vais tester un truc comme ça. Ah, onduler, il me confère un effet de saignement. Je vais endurer ma lame. Mais pourquoi je peux pas? Je peux jamais utiliser mes objets. Quoi ça? Et je peux jamais endurer ma lame. Faut que j'équipe une autre lame, ça veut dire. Je vais t'équiper ici. Ah, ça va chier. Ah, 140. Bon bah je vais tester celle-là. En lourde du coup. Et je vais essayer. Endure. Mais pourquoi je peux pas endure ma lame? Ah je sais, faut que je le mette en raccourci, c'est ça? C'est ça? Peut-être hein. Là je vais changer. Oui, ça doit être ça. Ok, je vais remettre mon autre lame. Oh, ça marche pas, pourquoi je peux pas? Ah là je peux. Ça m'énerve. Je peux pas avec ma lame magique alors que c'est une lame. Donc le saignement il proc. On a un mat. Mais oui, je l'ai en main mon épée, mais ça marche quand même pas. Parce que c'est une épée magique, alors je pense que je peux pas enduire une épée magique de truc. Oh oui, ça a bien descendu là. Ça proc. Je sais pas pour combien de temps ça fonctionne ça. Ça veut dire ta phrase hémoglobine d'art. Qu'est-ce que tu racontes? Salut à toi. On voit en haut à gauche à la vie du dragon. Bah ça y est, c'est déjà fini. Bah je pourrais sûrement refaire, je vais Ouais. Je vais renduire le truc. Ça proc. Parce que midlife. Franchement, c'est pas rien. Le problème, c'est que j'en ai que des trucs de saignement. Mais je pourrais tenter d'autres après, d'autres types de dégâts. La vie a disparu par contre. Allez, faut se faire que ça proc une autre fois. Avant que ça dépop. Mettre une invocation aussi hein. Je vais attendre. Je vais faire une invoque après. J'ai peur qu'ils attaquent les autres dragons. Bah c'est bon. Ils vont péter la gueule à un autre dragon. Minéra. Ah non c'est bon. Allez-y tapez. Vous voulez pas parce qu'ils bougent pas, c'est ça? J'ai quand même envie, hein. Inventaire. Qu'est-ce que je peux mettre? Non, c'est pas inventaire, c'est ça. Changer. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre?
La putréfaction écarlate, on va tester. Aucune idée de ce que c'est. Est-ce que ça rajoute un dot? Je ne sais pas du tout. Ouais, ça rajoute un dot. La vie, elle continue de baisser quand j'arrête de taper. Bon, je pense que ça se cumule pas, mais bon. Pour ça te prie, hein. Il va être vraiment long à tuer. On est mid-life. Allez-y, attaquez! Il bouge pas, il est énorme. Il est très facile à viser. C'est palpitant. Il y a sûrement d'autres moyens. J'aurais dû préparer le truc avant, trouver une arme, lui rajouter du saignement, me crafter des trucs de saignement. Lui rajouter du saignement, lui rajouter du... Mince! J'ai testé autre chose du coup. On va faire plein de tests. Changer. Dégâts magiques. Est-ce qu'elle est sur mon niveau? Non, ce sera pas... Bon, on va voir. Endure malade de dégâts magiques. Une idée de si les dragons craignent les dégâts magiques. J'ai pas l'impression que ce soit dingue. Hein. Il y en a rien à péter, dragon. On fera autre chose après. Un tiers de sa vie à peu près. Et ça avance. Mais loups, ils attaquent pas du tout, ça... Écoutez. En fait, les loups, ils défendent plus qu'ils n'attaquent. Ils vont me défendre si l'ennemi est menaçant, mais sinon rien à péter quoi. C'est bon à savoir. Incendiaire, dégâts de feu pour un dragon, je suis pas sûr hein. L'attaque draconique spéciale. Dégâts de feu. Dégâts de foudre. Poison, mettre poison. Je pense que ça peut être pas mal. Je vois pas la vie. Ah, ils sont peut-être. Ils ont peut-être rien à battre du poison. Ah, si, la vie descend, je pense. Enfin, mais les dégâts augmentent en fait au fur et à mesure, donc c'est que la vie continue de descendre. Ça se répète, de faire plus de dégâts même sur les bonus? Franchement, non. En tout cas, pas avec le proc. Là, je sais pas, je teste les bonus parce que bah, ça peut être intéressant. Mais par rapport au saignement, non. Mais effectivement, sinon, peut-être, ouais. On va remettre l'autre épée après. Mais voilà, moi perso, la différence, je la vois pas. Parce que de toute façon, ça bouge tellement pas assez la barre de vie à chaque fois. Et c'était le cas avec mon autre épée aussi. J'attends que ce soit fini, hein. Voilà. Par rapport de vie, on ne voit pas la différence. Hein. Bon, moi, il faut à peu près 5 coups pour voir un tout petit peu la barre de vie bouger. Et vraiment d'un tout petit chouille. Je pense que ça change pas grand chose en vrai. Je pense. Mais I'm not an expert.
que c'était plus avec l'autre, ouais. Mais je veux dire, on sait jamais si on tombe sur un bonus auquel les dragons sont ultra sensibles. Bon bah c'est bien de tester quoi. Parce que bon, le saignement c'était effectivement sacrément efficace. Malheureusement, bon, j'en avais que deux. Mais là bon, il est un peu tard pour retourner... se crafter les trucs de saignement, je pense que c'est un peu... C'est un peu con quoi. On est à la fin. J'ai mis 5 coups. Il m'a fallu 7 coups là pour que la barre elle bouge. Alors juste avant la fin, faudrait que je mette ma patte de poulet là. Pour avoir un bonus d'XP. On m'a dit. J'ai pas la dorée, mais tant pis. La dorée, on la prendra pour un gros boss. Oh non, c'est risqué en fait. On verra. Si je la trouve un jour déjà. Je suis une héros. Une vraie héroïne. Je suis un dragon qui bouge pas. Il est déjà mourant. Bon. Je vois quasiment plus la barre de vie. Alors temporairement, je ne sais pas combien de temps. On n'a aucune indication de temps, donc je vais le prendre maintenant. Et puis on va voir. J'espère que ça dure au moins quelques minutes. Gagner le combat. Je sais pas si ça a marché. Je crois que mon bonus il s'est arrêté tout de suite avant que ça le dragon meure. Enfin, avant que les runes me soient données. Je crois que j'en ai combien? J'en avais genre 10 000. J'en ai eu 70 000, plus ou moins. Est-ce que du coup j'ai eu un bonus? J'espère. On va tout de suite se TP hein. Ah du coup ces enfants ils sont morts. J'ai tout tué. C'est donc ça la victoire? Vachement sympa. Oh là-bas il y a de quoi... Je l'avais pas vu. Il y a un feu. Je sais pas combien d'XP il est censé donner. Je regarderai bien sur internet pour savoir si j'ai eu un bonus ou pas. Si il a le temps, il va péter un câble le jeu. Non, ça va. Ah bah non, j'ai toujours le truc autour de moi donc ça va. Donc si, ça a marché alors. Non, j'ai le truc autour de moi donc ça a marché. Alors, montée de niveau, du coup, on a 83 000, mais j'aurais dû faire le truc avant. En vrai, j'aurais dû faire le dragon avant. Je vais mettre un point. Je vais mettre en esprit, j'en mets deux parce que j'ai un peu de retard.
Vigueur. J'ai déjà pu. Pas mettre en vigueur. Peut-être mettre en vigueur. Pas me... Franchement, j'ai pas besoin de la vigueur, en fait. Non, non. Encore un tel. Voilà. C'était vite fait, hein, parce que je l'ai fait trop tard dans ma run, le dragon. Mais bon, ça voilà, c'est un truc à faire. Vous... Vous commencez, quoi. Enfin, c'est bien. Mais bon... Dans une zone dure. L'héroïne, c'est notre drogue. Ah, peut-être dans ce sens-là, ouais. Ouais, merci. Non, ça va mieux. Eh ben, oui, ça va. Sensibilité est dans mes reins toujours. Je vais chez médecin demain. Mais bon, bah, je bois beaucoup d'eau. D'ailleurs, je vais boire de l'eau. Je pense que ça m'aide pas mal. Voilà. Bon. Je vais peut-être quand même voir ce châtal du coup. Pour mon bonus XP ou pas? Je pense pas. C'est combien sur WAM? J'ai 4000 je crois en rune. 4005. On va pas en faire grand chose. On va regarder ce que c'est que ce phare fort. Phare fort, attends. Ça m'a fait trop mal. D'accord. Ah oui, je suis en lourde. Parce que j'ai une autre épée sur moi. Merde. Va falloir changer ça, hein, équipement. Toujours en lourde, comment ça se fait? What the fuck? Charge moyenne, bah alors? On est d'accord que c'est pas la roulade rapide ça? Waouh. Elle est lourde là. Pas folle hein. Oh merde, c'est plus ce que j'avais. Facile, il y a tout qui est... y a tout qui est moins bien. Tous mes autres casques sont giga pourris. Mais ils sont lourds tout cela. On est d'accord que la roulade elle est pas normale hein. Je vais peut-être relancer. Pareil que la cranberry ça marche. Oui, enfin les cranberries déjà c'est le fruit qui marche et pas du tout le jus de cranberry, ça sert à rien. Et en vrai, bah bord de l'eau ça marche. Hein. Ça va pas servir à guérir, ça va servir à prévenir ou. Ou à... Ouais, à prévenir, en fait. Mais je crois que j'ai des trucs mieux. L'info l'intox, je vais la donner. Je les ai beaucoup baissé les infos ou intox, parce que c'est naze. Ma meilleure temporairement intelligence. Oh! Dans une fiole, déclenche une explosion. D'accord. Ça. Attendez, mais je crois que je vais quitter en fait parce que j'ai l'impression que on est d'accord que la roulade elle est pas fluide comme d'habitude, elle fait un gros bruit. Retour à l'écran titre. Pour relancer la partie parce que je pense qu'il y a un petit bug. Ah désolé.
Mince, je voulais changer d'écran et je me suis trompée. Voilà, je voulais faire ça, mais désolé. Alors, info ou intox ? Donc, je relance. Elle était comme ça avant la roulade, vraiment, j'ai... C'est moi qui bug ou quoi? Être en fatrol comme on dit. J'ai un truc, j'ai un truc qui fallait pas que je change. Ah non, elle était pas comme ça. Y'a un truc qui a changé, on est d'accord, y'a un souci là. Je sais pas, je finis par me poser la question vu que bah, quoi que je fasse, ça change rien. En charge moyenne. Donc quand j'étais à poil, j'avais pareil. C'est un souci là. Alors, info ou intox, il ne faut jamais toucher un oisillon tombé de son nid, sinon ses parents le rejetteront. Info ou intox? C'est normal ta roulade là. En fait, t'as un effet sur le sol. D'accord. Et pas le bruit me paraît vachement fort par rapport à d'habitude. Et même, j'ai... Écoutez, on va tester, hein. Attendez, je sais tout simplement pour savoir. Je vais me remettre en lourde et puis on va voir, hein. Hop. Un truc bien lourd, là. Ah ouais, merci. Oh non, c'est moi qui ai un bug. Effectivement, une grosse différence. Par contre, le swag, quoi, putain. J'aime tellement cette armure, elle est trop belle. J'adore. J'ai obligé d'avoir un truc tout léger, là. Mon casque, il est trop bien. Après, bon, si je prends ça, imaginons. Et j'ai pas une résistance physique de dingue, hein, par ça. La robustesse qui est pas mal. C'est tout, quoi. Alors que mon casque, qui est lourd, il a vraiment tout en mieux pour tout le monde. On sauve des trucs, quelques détails, genre focalisation, et encore, ça j'utilise. Je pense que c'est pour les bulles de deux fois. Il a tout de mieux. Alors, info ou intox, je vous laisse encore un petit peu répondre. C'est vrai, on lui met notre odeur et comme les oiseaux n'aiment pas les humains, rejeter. C'est fou le rejet, voire meurtre de l'enfant. Ah c'est fatrol, ouais je comprends, mais désolé. Les oiseaux sont cruels, ça va sûrement de leur passé de dinosaure. Donc pour vous c'est vrai, moi je sais la vérité. Info ou intox, il ne faut jamais toucher un oisillon tombé du nid, bah c'est une intox. Je le savais. Les oiseaux ont généralement un odorat très peu développé. Vous pouvez donc sans crainte recueillir un oisillon tombé et le réchauffer dans mon vin et le réchauffer dans vos mains et le remplacer dans son nid. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des oiseaux qui élèvent des oisillons qui ne sont même pas des leurs, qui ne sont même pas de leur espèce. Parce que, bah, basiquement, c'est pas avec l'odorat qu'ils se repèrent. Pas avec grand chose, d'ailleurs. Un toc, j'en ai déjà remis dans leur nid. Bah, tout à fait. Du coup, vraiment, n'hésitez pas. Donc, de le laisser au sol, parce que les parents, ils le remettront pas dans leur nid, hein. En vrai, j'explore un peu ça, mais je vais pas avoir assez de mana du tout. Dans vidéo Discord, il y a les enfoirés. Pour Pécresse. On a compris cette vanne. Je la vois partout, j'en peux plus. JPP. Après, ça vient aussi du fait que je suis en Belgique, forcément. Ni avec la vue, parce que les coucous sont enlevés par des oiseaux qui font 10 fois leur taille. Ils sont enlevés par des oiseaux qui font 10 fois leur taille. Les oiseaux font 10 fois la taille des oiseaux. Les coucous font 10 fois la taille des oiseaux qui les élèvent. C'est plutôt ça que tu voulais dire, non? Pourquoi vous attaquez par des oies, enfant? C'est assez territorial, les oies, il me semble.
Puis bon, voilà, ça dépend. Hein. Les oies, les cygnes, les coqs, les oiseaux peuvent attaquer. C'est pas parce que c'est des piafs. Hein. Ça va passer de dinosaures, tu l'as dit toi-même. Hein. Et qu'on a l'habitude que les oiseaux soient plutôt petits par rapport à nous. Et dès qu'il y a un oiseau qui est balèze, genre une autruche. Ou un casoir. Un casoir. Oh non, non, non. Casoir, c'est ultra vénère. J'ai pas le level pour ça. Ça veut pas viser. Empoisonné, vas-y. Et c'est bon, je me tire là. Je pensais vraiment que les oiseaux étaient nos ennemis jurés. Nous, des mammifères. Disons que je dirais que c'est plutôt l'inverse. Hein. On est l'ennemi juré, mais à peu près de tout ce qui bouge, à part. Non, j'allais dire à part les autres humains, mais c'est pas vrai. Alors, autre info ou intox. Les fleurs de tournesol suivent le soleil toute la journée. Info ou intox? Moi, je sais si c'est info ou intox, j'ai juste constaté. De mes yeux. Le couple de petits oiseaux se retrouve à élever un énorme coucou. Oui, bah c'est ce que je te dis. En fait, toi, t'as écrit. Les coucous se font élever par des oiseaux qui font... Ah non, le dixième, pardon, j'avais pas lu, je crois que tu disais 10 fois, excuse-moi. Oui, non, mais j'avais vu un truc sur les coucous. Tout à fait. Info, intox. Ah, là, la France est divisée, ça, j'aime bien, ça. Intox. Ouh, intox. Peur de tournesol, suivre le soleil toute la journée. Eh ben, c'est une intox. Les feuilles, oui, mais pas les fleurs. Et du coup, effectivement, je l'ai bien constaté. Un été. Où je voyais complètement que les fleurs étaient littéralement dos au soleil. Alors qu'on m'avait dit ça quand j'étais jeune. Je me suis dit, mais c'était gros. Connerie ? Passé devant des champs de tournesol, ils en avaient rien à péter du soleil. Voilà. C'est info ou intox. Je vais pas faire ça tout de suite parce que c'est un peu. Voilà, c'est un peu trop balèze, je pense. Mais je vais mettre un petit repère. Voilà. Plus qu'à faire, je mets des repères. J'en enlève au fur et à mesure, hein. Parfois j'oublie, mais j'y vais et j'enlève. Il y a d'ailleurs un truc que je voulais faire il y a longtemps, que j'ai pas fait, mais que j'ai peut-être le niveau de faire maintenant. Mais c'est loin. Et du coup, cette zone, je pourrais continuer à explorer plus tard. Hein. On va quand même juste aller voir ce qu'il y a. Ah, c'est celle qui chante. Oh, j'ai mon trou au level, meuf. Je suis au bord de la falaise, je risque trop de tomber. Ah ! Vraiment, je me trouve un meilleur bâton. Je sais pas trop où, mais il faut. Allez vite! Mais j'y pépé ces trucs! Et moi, pourquoi tu te prends pas ce que je te vois? Là, je suis trop loin là. Oh non, mon cheval il a des pop! Ça m'a éclaté! Ça m'a éclaté! J'ai vraiment le level pour rien ici. Mais c'est mon bâton, il est trop pourri. Je l'ai amélioré de fou, mais il est trop pourri. C'est pour ça que je commençais à améliorer un autre bâton, mais je sais pas s'il serait bien. Il est trop pourri. Vas-y, je me tire. J'en ai marre. Bon... On aura ça à faire. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est mon petit coin de farm. Bon, bah maintenant il va être tout pourri. Piège des os machin, je l'avais fait ça. Oui, je peux l'enlever. Je peux enlever cette balise. Voilà. Attendez, c'était un ascenseur et c'était dans la première zone.
Est-ce que, ça, c'est le dragon de la première zone. Est-ce que vous vous rappelez où c'est? Parce que j'avais pas mis de marque comme une débilos. Il y a un endroit, c'était vers le début. Ou peut-être par là. Voilà, c'était soit là, soit dans cette zone-là. Où il y a un ascenseur. Qui descend dans une sorte de... par là. La grotte du... Non, mais non. Il descend dans une sorte de grande cité souterraine. Des catacombes orageuses peut-être, non? Je vais tester. On va voir. J'aime bien crâner la harpie là. Non mais c'est bon quoi, quand tu sais que t'es plus doué, au bout d'un moment tu as... Voilà, faut un petit peu se rendre compte que... c'est pas sympa d'être autant sûr de toi face à l'autre qui galère. Il y a mon frère. Non, c'était pas là. Putain, ouh, je sais plus. Un grand ascenseur. Mais si, un grand ascenseur. C'était l'église des pèlerins, peut-être. Ah, franchement. Il y avait un insondable. Oh, c'est peut-être ça. J'y vais. Je vais tout tester. C'est peut-être ça, en vrai. Oh non, c'était là où il y avait... Ah oui, il y avait les rats et le boss. C'est pas ça, c'est pas ça. Et pour vous dire, j'avais découvert cette grotte avant même de faire ce boss-là. Et ce boss-là, j'ai fait il y a tellement longtemps. Je vais tenter l'église, mais je pense que c'est pas l'église. Je sais pas comment ça s'appelait. Du coup, pour le retrouver, ça va être l'enfer. Mais oui, non, l'église, c'est ça. C'est une église, quoi. Galerie des vents hurlants. Non. La galerie du colon. Sud du lac, ruine littorale. Ouh, de pas avoir mis de points. Ça, c'est un endroit, je me suis dit plein de fois, je vais retourner pour le faire, pour voir si j'ai le niveau. Il y avait des sortes de scolopendres dedans. Vous savez, j'étais des trucs de loin. La bande de l'artiste. Fond noir. Peut-être ici? Non, je pense pas. Ah, c'est affreux! Attends, ça c'est quoi? Le siofra. Ah, c'est peut-être ça? Un puits. Un endroit où on descend. Je vais tester, c'est peut-être le puits. Même si c'était plus un ascenseur, donc pas un trou béant. Un petit point au puits. Pas sûr, mais je sais que c'était dans les premières zones que j'ai découvertes. Et je me rappelle plus s'il y avait un point de TP pas loin. Peut-être pas, hein. J'avais ça en tête, mais peut-être que effectivement, c'était pas tout de suite. Ça doit pas être ça du tout. Oh, par contre, j'entends un truc. Ça va rien me donner là. Mais c'est juste pour de la vie, c'est pas pour un objet. Rien autour de la monde à part ça? Il est censé avoir un puits. Ah, en vrai, c'est peut-être là.
j'ai fait tout le tour par le pire endroit, quoi. Ça m'énerve. C'était là, c'était là. Je voulais retourner ici pour voir si j'ai le niveau maintenant. Je pense trop pas. Je pense que c'est dead. Et je vais tenter quand même. J'ai pas les bonnes armes. Enfin, j'ai pas le bon bâton, surtout. Et peut-être pas la bonne tenue aussi. On va voir. Trop joli. Regardez comme c'est stylé. C'est trop stylé. C'est trop beau! On sent ça traque! C'est disponible. Faut que je te donne une arme. Je la reprenne. Et qu'on vrai compte. Non! C'est pas possible de se donner une arme. J'ai joué au multi une fois. Et on a battu le boss. On loot un mat et on va tester. Alors il y avait des sortes de... En fait non, je confonds, hein. Je sais même pas la grotte que je parlais tout à l'heure. Enfin, quand je parlais des scolopendres, en fait c'était pas ici. Mais c'est une autre grotte qu'il faudrait que je fasse. Bref, on a du retard sur plein de choses. Alors c'était eux, mais ils étaient trop balèzes. Mais je crois que c'est parce qu'en fait ils résistent à la magie. Ah, je leur fais beaucoup plus mal. Enfin, c'est relatif. Beaucoup est un grand mot. Ouais, à l'épée, je me doutais que ça ferait plus mal. C'est une chose épéiste, hein, plus le choix. Hein. Ah! Ah, j'ai bien esquivé là. C'est vachement parfait. On va retenter là eux. Ouais, elle marche pas là, elle touche que un, quel intérêt. Encore. C'est vachement bien là. Vraiment chier comme meuf. Mais ils ont de la portée aussi ceux-là. J'ai peut-être un feu de camp plus proche en vrai, non? Là, je suis obligée de me retaper tout l'ascenseur. Ah mais non, il y en a un en bas. Oui, mais je l'ai pas pris. Voilà. Je l'ai pas pris, j'ai pas pris. Après, c'est lui qui est en bas. Pour m'éviter d'avoir à faire tout ça. Bon, promis, je le prends en arrivant. Si vous m'y faites penser. Hey Jax! Un cycliste amateur de camembert, sûrement de la famille de Grisou, roule 1000 km/h pour faire par là mon cul. Ouh, Jax.
J'aime bien le jeu de mots. En tout cas, je te remercie. Info. Alors je... Je sais pas si c'est vraiment la peine de répondre. 100%. Oh non ! Faut que je retourne. Amateur de camembert, je suis... De calembour. Je suis toujours malade. Un cycliste amateur de camembert. C'est beaucoup mieux mon truc à moi. Il fait 1000 km pour... Ou il roule à 1000 km/h pour un camembert, quoi. Calembour, il y en a partout. Mais les bons clacos. Ça court pas les forêts. Jean-Charles Lub, 35 ans, consultant informatique, a parcouru plus de 1000 km. Ah oui, il roule 1000 km. Kilomètre heure, je dis n'importe quoi. À vélo, en 7 jours, pour l'amour des calembours, j'ai envisagé de faire 3. Et j'ai trouvé que 21. Utile. C'est hilarant. Allez, on y retourne. km pour être précis. Un petit nul à chier. Allez. Nul à chier. NULACHIER. Il a été réclamé par le public. Et si je tombe, je meurs. Si je tombe, je meurs. Là, je pense que si je tombe, je meurs. Mais là, maintenant, je pense que je meurs pas. Je suis un peu ballsy. Et on va chercher nos runes. Oh, ça va, j'anime quoi, je trouvais l'info rigolote moi. C'était marrant, couille quoi. J'ai pardonné. Le petit combo, hein? Eh, c'était bien, hein? Bien. Bon, en tout cas, si on meurt, on réapparaît là-bas, donc is ok. De forge, ça yimbe. Fondu. Au moins de monter, évidemment. J'avais déjà regardé. Faudrait que je tombe de là-haut. Ok. Bourbago. Vachement moins cool, la go accélère en chat. Écoute, l'esprit a bien été reproduit. Effectivement, il y a l'effet qui est un peu moins présent, quoi. Trop lent. C'est trop lent, mec, hein.
Non mais je fais pas gaffe, je regarde le dernier et du coup je vois pas le premier. Erundori. T'as trop buté ça, je le sens d'ici. Bordel, il fait pas si sort. Est-ce que la bulle d'eau peut les tuer? Explose. Merde. Hey, tuez-vous entre vous là. Ça marche pas. De vie ces petits bâtards. Ah merde, je suis trompée. Ouais, maintenant je la prends comme une, enfin je la prends comme avant, comme une popo de vie. Non, c'est pas une popo de vie, ça c'est une popo de vie. Bon. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Ah oh. C'est beaucoup trop, je me tire. Mais je me tire tellement en fait. Non, c'est ça que je voulais ajouter. Ça me rend mes popos. Ça va, ça m'a rendu mes popos. Hello Grid. C'est le premier, c'est la première fois que j'en trouve. C'est un truc super rare, ça veut dire. Je suis contente. Ok. De la vie, j'en ai pas besoin. J'en ai besoin. Le monde d'Elden Ring, où c'est le paradis. Écoute, ça ressemble à un endroit où on va quand on est mort, ça c'est indéniable. Après, paradis, disons que... Un bourgeon de couronne! De corne! Je lis très mal aujourd'hui. Très très mal. Ridicule.
Je vais surtout dire, va te laver, je crois. Donc, bonsoir. Écoute, j'ai compris le message, mais c'était un truc qu'on pouvait pas me reprocher avant quand j'avais jamais trouvé de savon de toute ma vie. Donc j'ai envie de dire que là maintenant, je vais avancer dans ma vie sociale. Et c'est pas à dire là, que ce soir là, c'est n'importe quoi. C'est rare, salut, je vais te faire message. Mais arrêtez, je suis pas pire que les autres là, les autres ils puent forcément plus, ils bougent pas, ils sont des... Enfin, limite, limite pour eux, quand ça pue c'est une odeur normale et le savon ça pue. Dire tout ce que je croise dans tout le jeu c'est des mobs un peu dégueux hein. Il y a rarement des mecs tout propres, alors ils sont en armure mais ça doit suer un max là-dedans, attention. Je rentre comme ça moi. Oh des petites boulettes. C'est sympa du savon, des boulettes. Il est cool cet hôtel. En tout cas, il y a plein de trucs à trouver, je suis ravie. What a bait. Laisse-moi tranquille. Oh, un crabe! Il esquive bien. Oh, mais... Ah non, je crois que c'était un truc qui allait me permettre de découvrir la map. Ça n'aurait pas de sens parce qu'on est en dessous la map déjà existante. Oh hey, je te fonce dedans, moi! Pourquoi je fais ça? Pourquoi je te fonce dedans? T'es coincé. Mais ça va, ça va. J'ai à peine eu un tout petit... Une toute petite surprise minuscule. Un chouille, quoi, de surprise. F des crabes. C'est marrant, je vois les cadavres de tous les autres aventuriers qui ont tenté et qui sont morts à chaque étape. Quoi qui brille, c'est l'arbre monde? Trop beau. Non plus qu'à trouver la serviette. Oh, cours dans l'herbe, ça passe. Enfin, attention aux orties par contre. Mais c'est trop magnifique, regardez-moi ça! Subjugué. Ça me subjugue un max. Ah oui, un feu! J'avais un peu peur de ne pas en trouver d'autres. Et vu l'immensité du truc... l'inverse m'aurait étonné. Là, je suis pas trop étonnée. Allez, petit dodo. Crois que... améliorer mes fioles, je crois. Répartir mes doses. Ah, j'hésite. Améliorer mes fioles. Oui. Bah, en fait. Rajouter une dose. Oui. Une dose a été ajoutée. Ah, voilà, je savais. J'en ai pas d'eau de toute façon. Par contre, je vais répartir des fioles. Je vais mettre 5 en mana. Mais là, je vais mettre plus en vie parce que je pense que je vais utiliser plus mon épée. Et petit saut là. Oh, mais il y a des animaux! Oh! Oh, il y a des crabes immenses! On sait pas tant, il va vous buter. Ah! Ça se pense facilement un crabe, hein. L'agilité n'est pas son fort. Arrête! Arrête! Je t'avoue, je t'ai sous-estimé. Petit invertébré immense. Y'a quelqu'un qui a crié?
Mais c'est en même temps que j'ai sifflé, alors je croyais que je sifflais différemment. J'ai envie de le tuer, il a l'air d'être bien. En vrai, je suis sûre, je peux passer à côté, il me tue pas. Ah si, si, il me tue. Il me bute un max. Déso, je suis trop déso, je voulais pas te buter, t'avais l'air d'être dans ton habitat naturel. Putain, je suis trop déso. Je vais faire le tour. Il y a trop de choses à voir ici, c'est trop fantastique, j'adore. Je vais emménager là. Je vais buter tout le monde et je vais emménager. Ça, c'est des boules qui font mal, hein. Ah, je savais que ça me ferait mal, mais j'ai essayé, j'ai besoin, je suis une aventurière du gaming. Mais arrête Jux, je te lis plus. Voilà, aventurière, hein. On teste des trucs. Même si on sait que c'est foireux, faut tester une première fois pour savoir. Où sont mes trucs ? Me cache. Oh là là ! Ça va pas être facile de trouver un petit coin tranquille ici pour en faire ma cabane. Ça se vise au moins ces boules de foudre ? Mais non, ça se vise pas. Bon bah en esquivant quoi. Ne vous inquiétez pas les cochons, je vous protégerai. Voilà, j'ai protégé les cochons. Il loot quoi? Unique en fourrure. Hein. Regardez ça. C'est de la merde, ouais. Mais si tu es sûr, hein. Et regardez comment il résiste à rien. Il passe à brosser des boules de foudre. Les pieds dans l'eau. Ouais, bah après, c'était mon animal qui avait les pieds dans l'eau. Remettre des doigts crochus. Ah, qu'est-ce que c'était? Oh, il est tout foufou. On dirait qu'il y a... Il y a de tout ici. Complètement ça, j'ai l'impression qu'il y a tous les ennemis que j'ai croisés dans le jeu. Et qu'il faut que je nettoie les salles. Je vais essayer, mais ça va être super long. Non, c'est pas ça que je vais faire. Trop long.
Y'a pas une petite plante là à son pied? Mais non, mais c'est l'autre que je veux viser. Ouais. Je me suis dit que ça ferait peut-être un truc. Y'a de la musique, écoutez. Je sais pas si vous entendez. Je sais que ça fait 9 fois d'heure en stream, lui. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs, mais il y avait personne pour le voir. Bon, prix, ce qui vous intéressait, hein, c'était de me voir mourir. Mais c'est vrai que c'était très cool. Ah ! La voix d'Ariel toute seule. Ouais, voilà, d'abord. Oh putain, je me sens les autres mobs. Non, mais arrête de viser. Voilà. Fatigue là. Non mais ils sont beaucoup trop, vas-y je vais pas les faire. Vas-y, n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, je vais trop pas les faire. Ah, je me redresse, je me mets bien. On va juste fouiller, looter, explorer. Mais ils sont beaucoup trop nombreux, faut pas décaner. Oh, la patte de volaille dorée, elle était ici, putain. Non mais j'ai dit au début du live, je vais mettre trop de temps à la trouver, ça sert à rien. Je la trouve dans le même, dans la même session de jeu, j'ai envie de me frapper. Comment je pouvais prévoir aussi où c'était ce truc? Sérieux quoi? C'est tellement random! Mignon. Je suis à le vide. Ah, j'ai 13 000. Ah. Mes cheveux sont une œuvre d'art. J'avoue. En vrai, va falloir que... je fasse mieux avec mes cheveux. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est un truc qu'il va falloir que je fasse dans toute la map, ça. Let's go. Y'a trop de trucs à explorer ici. Oh, y'a un portail. Bon, attendez, on va... oh, pierre de forge sombre. On va déjà récupérer les trucs que j'ai fait tomber. Ah! Non, non, faut pas que je meure. Moi, ça le maintient à distance de faire ça. C'est moins risqué.
mange de viande? Bah Wonderbat quoi. Comment c'est trop cool. J'adore. Pour ma popo. J'ai pas prévu le gros crabe. Attends, mais d'où tu me tapes? Non, mais à travers la roche, please, quoi! Il est tout foufou, il rigole. Y'a rien qui va avec les crabes, hein. Je fais un peu! Merci beaucoup, mon Glubinda! C'est beaucoup énorme. Un an à me supporter. Merci. Le son du jeu est bas, hein. Je m'en rends compte. Merci beaucoup, mon Winter. Merci. Mais oui, tu l'avais dit. En plus, je sais pas quand. C'était bientôt tes un an. Voilà. Ah bah quand on prend des risques, on a des loots de qualité. Ah bah je vois ça, ouais. J'ai eu mon petit bout de viande là. C'était bien. Je vais me faire un goûter. C'est l'anniversaire. Merci. J'ai même pas d'annonce spéciale pour les 1 an. Va falloir vraiment que je vois ça. Merci vraiment, merci beaucoup de se dire pendant aussi longtemps. C'est pas anodin du tout. Mais jamais je passe. Y'a un truc à allumer là. Ah oh mais c'est bon, là tout veut me buter. Trop de temps. Là j'ai spamé. Mais c'est très beau, hein, mais au bout d'un moment, je sais pas quoi faire avec tout ça, moi. Beaucoup trop grand. Bon, les boules, elles sont plus là. Ah! Ça, je prends ça. Un truc est mort. Je suis pour rien. Ah, j'ai plus de mana. Ouais, je fais que le dernier coup à la main. La musique. Ah ouais. Il est. Bon, c'est pas que ça one shotterait. Oh ouais, magnifique, je m'attends d'avoir la statue d'Athéna à côté. Ah, j'ai bien hâte d'aller le voir. C'est tellement de risques pour rien du tout.
Ouais, c'est vrai qu'il a un mood... un mood assez classe. Ah, les TP. Il n'y a pas de TP dans l'autre sens. Allez, je prends. On va voir, on va voir. Bon, c'est biversaire, hein, du Bindar. Oh, hein. J'ai l'impression d'avoir bien... Ah, bah du coup, j'apparais là. Ok. Donc, 8 tours. Hop, on y retourne. Là, c'est bien. Du coup, il y a des points de voyage rapides. Je trouve ça très pratique. La cité a l'air tellement gigantesque, mais tellement stylée. Elle est déjà trop belle. Il dira. J'aime pas dans ce truc chiant. Ah, allez, je drink team. Bon, j'entends un truc. Et d'abord, on va activer ça, évidemment. Waouh! Une cité à l'envers. C'est quoi là-bas? Ah, c'est un mec. Ah, j'ai sûr sauté! Qu'est-ce que c'est? Que c'était. Mais j'ai équivalent d'un balai planté dans le torse, quoi. Mais yo, c'est ça que je voulais pécho là-bas. Cendre de guerre en garde. Super. Pour une fois qu'il y a deux téléporteurs qui communiquent, mais oui! Mais attendez pas! Un balai de Tuffer! Tuffer? Quoi le Tuffer? Les rats. J'ai raté. J'ai tellement raté, ils en ont rien à foutre de moi. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'était ça. À un moment, dans un coin, il y avait des rats avec de la corruption. Enfin, une sorte de corruption, et je ne savais pas du tout comment l'enlever. Tellement. Ça me tuait tellement vite. J'appelais ça la corruption, mais il n'y avait pas de nom. J'allume tout, hein. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça a l'air super.
tais-toi. C'est beaucoup trop violent, hein. Il m'a vu. J'ai rien vu. Bon, attends. Je m'occupe du pote, là. Il est un peu horrible. Regardez combien de temps il met à charger et à tirer. C'est rapide, hein. Il y en a un autre. Les trucs. Et c'est même plus des javelots, c'est des lances entières. Une barre jaune qui montait, je crois que c'était jaune, oui. Oui, je crois que c'était jaune. C'est pas rouge, c'est pas comme du saignement. Vas-y, faut rouler vite, rouler. Que t'as me taper toi. Je me tire, je t'ignore. Je n'ai que faire de tes pitreries. Où je peux passer maintenant? Allez, je vais aller là-bas d'abord. Waouh. Je vais prendre la mana quand même. Dedans. Je sais plus si on respawn dessus quand on va les découvrir automatiquement. Donc dans le loot, je vais ça. Forme de focalisation. J'ai pas des... J'ai pas ce qu'il faut, je pense. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut. Zut. Zut, zut, zut. Merde! Je peux pas taper. C'est bon. Je vais pas aller en acheter, je vais peut-être en trouver dans le coin. Le cipo. Oui. Déjà pété des trucs un peu. Je regarde prudemment au bord. Mais ça va. Je gère plutôt quand même. Je l'ai pas vu, vous? Je l'ai pas vu? Alors pas dans le banquet, j'ai acheté toutes celles que je voyais chez le marchand. Ah oui? Ah non, pas moi. Encore vivant, je crois. Non, c'est bon.
qui cherchait un petit bœuf. Non, moi j'en ai acheté quelques-unes, mais je les ai utilisées depuis. C'était pour les portes qu'il y avait dans le... Après, si on en trouvait, je peux y aller. Hein. En vrai, je peux y aller. Donc, bien sûr, on va d'abord aller chercher nos prunes. Non. T'as fait. T'as fait, t'as fait. Et voilà, par repère aide. Ça m'en fait combien? Ruine, j'ai pas vu. Pas vu. J'en ai pas. Oh, ça en fait genre 200. Ouais. Tout pourri, quoi. Où vais-je? Je peux y aller, hein, je sais où il y en a. Il y en a à la table ronde, on peut y aller vite fait. J'avoue que j'ai un petit peu la curiosité. Ouais, mais je pourrais pas revenir comme je veux ici. Ah non, bah non, on va pas y aller. On va pas y aller, on va pas y aller. C'est vrai que c'est... des points de sauvegarde, mais je pourrais pas me TP comme je veux parce qu'on est sous la terre. Bon, bah on verra plus. Un passage derrière une cascade, mais dis donc. Des éléphants peu prévisibles. Arcrunich, je m'en fous. Et pourtant, on dirait vraiment un renfoncement pour une porte. Hein. Mais non, n'en est point, ce n'est point le cas. Ok. Petit passage à la cascade, j'aime toujours quand il y en a. Je trouve ça toujours fantastique. J'ai envie de descendre. J'aurais moins de ruines. Une info gameplay qui pourrait t'aider. Oui, je veux bien. Quand c'est pour le gameplay, oui, oui. Je suis très preneuse. Quand c'est des trucs qui pourraient me gâcher un peu mon exploration et tout, là, bon, j'aime moins. Mais vraiment, n'hésitez pas. Tout ce qui est gameplay, compréhension du jeu, amélioration, je prends. Oh, le saut énorme. J'ai trop peur. Rendori. J'ai rien sur le rebord, c'est un cake. Ouais, fais des roulades. J'adore quand les moutons font des roulades. Tu es sur la carte, tu as un bouton qui te permet de passer de l'une à l'autre pour te téléporter sous terre. Ah, c'est vrai? Comment? Affiché à surface. Oh, ça veut dire que je peux me TP? Oh! J'avais déjà découvert, moi, le truc sous la terre. Oh, merci! J'avais pas vu du tout! Merci! Attendez, on va retourner là-bas et on va prendre les clés. On est retourné, on s'en fiche en fait. C'est sous le puits, c'est ça? Ah, mais c'est grand, je veux dire, j'ai fait tout ça!
Non mais ça veut dire que c'est immense, j'ai vraiment pas fini d'explorer sous la terre en fait. Mais c'est trop dingue! Où je peux aller en surface? Je peux aller là-bas. Enfin, derrière moi. La table ronde. La table ronde, ils vendent des... Des clés là, des clés de pierre de lame. Des pierres de... Des pierres... C'est ça, des pierres lame? Des... Lame-pierre, des clés lame-pierre. Clés lame-pierre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est qui qui vend? C'est là. Il n'y en a plus d'autres. Ballot. Quoi ça? De prendre l'apparence de l'hôte des doigts. C'est bien bizarre. Ok. Je pensais qu'il y en avait d'autres. On avait déjà acheté plusieurs. Deux, je crois. Et Ouh, je savais pas que c'était limité. J'avoue. Là, j'apprends des trucs. C'est pas grave, je sais qu'il y en a un autre qui vend des lames, des clés lames, Pierre. Pas qui. Et puis... Est-ce que faudrait pas que je renforce mes bâtons? Mes autres bâtons. La reine semi-humaine, je peux même pas le renforcer. J'ai tellement aucune idée du bâton qui est bien pour moi. Ça me fatigue, je sais pas. Du coup, bah, quand j'ai amélioré des trucs et en même temps, bah, je suis pas sûre que ce soit bien. Bâton d'astrologue, en fait, il me semble vraiment bien. Au final. Le Mimène, il fait pas mal de dégâts alors qu'il est qu'en plus 3. Renforce les sorcelleries telluriques. J'en ai pas, je pense. Il y en a aucun qui a des bonus aussi. Nombre limité, oui. Je vois ça, je vois ça. Il y avait d'autres vendeurs, hein. Vendaient des trucs. Pour avoir une autre. Il m'en faut deux. Il m'en faut deux. Unusual to this aged merchant. J'avoue, je peux acheter les autres. C'est quoi ça? Permet de dupliquer les cendres de guerre. J'en trouve au moins une qui m'intéresse. Je suis comme toi. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Du coup, on peut aller. C'est marrant, c'est une sorte de tête de chien, ça. Avec des grandes oreilles sur les côtés. Pardon. Ouais, ce terrain! Bien, on y va. Ça veut dire qu'il y a tout un monde souterrain, mais c'est tellement immense comme map. Je comprends que pourquoi on dit que la map est grande. Mais s'il y a tout un monde souterrain comme ça, mais c'est forcément ultra immense. Mais c'est trop dingue, mais c'est dingue, c'est chez les fous. Pardon. Ok, j'y vais. Qu'est-ce qu'on dirait la tête de Pazuzu, le démon du film Exorciste? Je m'en rappelle pas la tronche du démon, moi. Pazuzu! Pazuzu! Voilà. J'ai fait du vandalisme, je peux aller faire d'autres choses.
Je vois vite fait un statut. Ah d'accord, je me rappelle pas du tout. Let's go. Oh, ça monte dans la ville. Oh là là. C'est trop fou. Je peux le tab ? Ça va. Envoyer des messages. Comment il peut y avoir cette lumière ici? Ah oui, je suis en surface. Je suis en train de dire, mais comment se fait-il que qu'on soit pas à la surface et que ça fasse ça? En fait, on est à la surface, tout simplement. C'est profond. Que fera? Oh là là, mais je voulais explorer encore le monde sous souterrain, moi. C'est longtemps que je suis ici, hein. C'est par où? Oh, qui c'était? C'est un ours. L'ours? C'est un gorille, on dirait, en fait. Il est trop stylé. Du feu hein. Mec, ils courent super vite les ours. Dans ton cul l'ours. Malin. T'as pas de tu peux pas marcher sur un trottoir. Viens aussi. Elle m'a one shot moi et mon cheval. Mon chevache. Même pour ça, j'ai pas les compétences. Peut-être le faire comme... J'ai détesté, ils mettent tellement cher, mais c'est n'importe quoi comment ils te mettent cher. Et j'ai réessayé ceux du début, là, de la forêt qui est proche du spawn. Mais ils sont toujours aussi forts, en fait. Pas les tout petits, hein, les tout gros comme celui-ci. Ah, ils mettent vraiment beaucoup trop cher. Bon, je retente quand même une ou deux fois.
un caillou. T'as le caillou quoi. Maline, c'est un petit peu de l'anti-jeu, hein, mais bon, je joue mage, donc je joue anti-jeu. On va approcher. Ouais, je suis une héroïne. Combien j'ai gagné, j'ai même pas vu. 2000. Non. Non, non, Je vais te faire respawn le cheval, pas de soucis. GG, merci. C'est un beau combat. Il s'est donné à fond, on peut pas lui reprocher ça. Hein. Mais gros comme ça, il respawn ou pas? Ouais. Oui, bah c'était logique, c'est juste que bon. Vu que j'en ai pas tué beaucoup, j'étais pas sûr. Bon. On va l'explorer un petit peu ici. Ah oui, ça explose ça. Pourquoi vous vous tuez les gars, c'est du ballon quand même. Ouais, attends, calme-toi. Avec le crabe qui passe à travers les murs, c'est juste retour des choses. C'est vrai que le coup du crabe, et c'est pas le seul, hein. Le coup du crabe qui passe à travers les murs, ça... Oh, je prends l'équivalent d'une tour Eiffel dans la gueule. Bon, attends, on analyse. D'accord. Ça va être très compliqué là. Je fasse en sorte que l'autre lui tire dessus. Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai esquivé en allant pile poil dans la flèche. J'avoue, juste. Dans la flèche, dans la tour. Il va falloir que je récupère mes 10 000 moi. Et c'est parti. On va pas relooter. Elle est compliquée cette région quand même. On va peut-être retourner dans les souterrains un peu. Je vais attendre qu'il tire une première fois. Je vais pas attendre qu'il tire une première fois. Trop proche, il peut pas me tirer dessus. Alors si je suis là, tu peux pas me tirer dessus, mec. Tu vas dans le baba. Comme on dit de par chez moi. Aïe. Mon cheval qui prend, du coup ça va. C'est la poule. Dans les tibias, mec.
ça va. Oh le boubou quoi. Oh the boubou en fait hein. Tire pas assez fort, mec. T'as des gros bras, mais ils sont tout pourris. Ah! Et c'est pas la taille de la flèche qui compte. C'est la manière dont tu t'en sers, mon gars. Ah! Veux-tu si tu lui passes ça? Non. Oh, mais toi, tes tibias, ils sont pas... Pas ton point faible. Ah, c'est tes petits bras. La merde son cheval. J'ai pas pu la... J'ai... Hey Pitkin. Fait mal au béton hein. C'est trop des muscles. Ah non 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 non, j'utilise pas ma fiole. Hein. Je crois qu'en fait on s'en fout, je peux l'utiliser. Oh, c'est une fiole de larmes pour... Oh, mais on s'en fout, en fait. Oh, ça se passe bien. J'explore de tout et rien, en fait. Je passe juste mon temps à errer. Je suis un véritable oiseau. Découvrant le monde. Oh, il y a un gros pot. Oh, c'est un pot, il croise les racines. Ça va être trop dur, je peux pas le faire. C'est con, je suis sûr que là le gros balèze il aurait pu m'aider à le vaincre en le transperçant avec sa grosse flèche. Je vais désormais vers la marque d'infocation rouge du chevalier de la grande jarre. Ah ouais? Mon copain. Voir la marque d'invocation, c'est-à-dire. Je vois où la marque d'invocation. Comment entre les centres d'invocation et les marques d'invocation, c'est pas tout. Je peux tout piger. Ah, je déconne. J'ai juste voir ce que ça faisait, des os. Ça va, il y a de l'humour. Un gros crâne. On va peut-être retourner dans la cité souterraine. Hein. Là, je me disperse. Il suffit quand même qu'il y a rien à trouver ici avant. Vous ce chemin pour voir si voilà j'ai pas loupé des petits trucs comme ça avant de partir. On va retourner dans les souterrains je pense. Un truc exploré partout c'est fou. Là, j'ai appuyé mais ça a rien fait.
prends une map worms ici. Ah putain, j'avoue. Ah oui. Et pas quand est-ce qu'on y rejouera. Mais c'est trop marrant, les soirées worms. Moi, j'aime pas les détruire en vrai. C'est que des fragments, oui. Mais je les aime bien. Enfin, les laisser en vie. Ok, y'a rien. Bon, et ben on descend. On se TP bien sûr. Maintenant que j'ai pigé comment on fait. On fait comme ça. Oh, ça fait une VOD assez longue. Je vais l'arrêter là, je pense. On en bas. Bisous VOD.